Hey yo les loups, j'espère que vous êtes chauds pour cette nouvelle vidéo. Donc les gars, on se retrouve. Sur une pépite. Nouveau personnage dans Zuba Battle Arena. Et c'est l'hippopotame. J'y avais pensé pendant un moment. Franchement, c'est énorme les gars. Le vrai hippopotame. Et il ne sera pas tout seul. Il sera avec son acolyte, le petit oiseau. Donc on va découvrir les gars tout ça dans la petite vidéo. Donc on peut voir une image de l'hippopotame avec son petit perroquet, ou on peut l'appeler. Et en fait, Tony et Gigi, ils vont s'entraîner. Dans le nouveau duo dynamique du zoo. Il y a marqué, c'est une pépite. Là, franchement, ça va être pas mal. On va voir les attaques, parce que je vais pas vous lire le texte et tout. Hein. Vous pouvez mettre pause, le lire si vous le voulez. Moi, ça m'implique à rien de vous lire ça. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs, les gars. Donc, les petits mots, c'est énorme. Les petits mots comme ça, là, l'hippopotame et tout. Une dinguerie. Folie. Alors, ça, qu'on sait belle. Donc, on peut voir comment ils ont créé l'hippopotame et tout. Donc, c'est pas trop mal. Franchement, l'hippopotame a du style. Je trouve qu'il a vraiment de style. On va même découvrir les skins, les gars, dans la foulée. Vous allez voir. Et franchement, c'est une dinguerie. Donc, on peut voir le gestuel. Voilà, on peut le voir en jeu. Les gars, n'hésitez pas à liker tout ça pour qu'on puisse un jour vous tester les personnages directement avant la sortie, comme font d'autres youtubeurs. Mais il n'y a pas de youtubeurs français qui essayent de nous faire connaître pour que nous, on puisse vous les tester et vous les faire découvrir en avant-première et tout. Vous nous poser des questions et tout. Ça sera largement mieux que ça. Mais bon, on commence comme ça et ça. Le style de jeu. Donc les compétences, l'oiseau, il va pouvoir passer devant. Donc on va aller vous voyez, là il fait une petite trace. L'oiseau en bas. Donc quand il fait une petite trace, l'hippopotame s'y repasse derrière. Tony, il va aller plus vite. Après, je pense que l'oiseau, il doit. Friend indeed. Je pense qu'ils doivent s'entraider. Ils doivent pouvoir se soigner quand ils sont prêts ou quand l'oiseau il fait des tours autour de lui. Et je pense qu'après, il doit y avoir une attaque. Franchement, ça va être pas mal parce que, à ce qui paraît, l'oiseau il va vachement aider. Ça va vachement être un coéquipier. Hein. Que je sais pas trop comment ça va se déroulé, on le verra en... Gigi est autour de Tony pendant que Gigi reste avec Tony, verra plus loin dans l'herbe et sera guéri. Vous voyez, il sera guéri et en même temps, mais il verra plus loin dans l'herbe. Et franchement, il y a des bons avantages. Hein. C'est vraiment bien. Donc là, on est tellement content. Zuba nous sort encore un nouveau personnage. Une dinguerie après l'oiseau. Je sais plus son nom, malheureusement. Et là, franchement, il nous sort encore un beau truc. Bon, comme disait Valentin dans sa dernière vidéo, ce qui nous manque, c'est une nouvelle map, de nouvelles choses. C'est pour ça que nous, on essaye de faire des vidéos. On va essayer de vous faire des vidéos aussi sur comment apprendre à gérer chaque personnage en fonction de ses niveaux et tout, vous faire voir combien comment ils sont forts, comment on les améliore plus niveau 10, au-delà et tout ça, avec les compétences en vrai. On va essayer de vous faire tout ça, mais le truc c'est quoi, il faudrait aussi d'autres modes de jeu comme des modes où on fait des zones, des modes de comme ça, vous voyez. Donc je pense que ça arrivera prochainement, je l'espère de plus profond. Une dingue. Donc voilà, le flux de vitesse que je vous parlais. Et là, les pots de Tony et Gigi, franchement, une dinguerie, hein, les gars, hein, un peu wesh, elle est trop stylée. Je trouve ça énorme, je trouve ça franchement énorme. L'hippopotame peut avoir tellement de style, je trouve. Voilà, en basketteur, ce qui est magnifique, qui fait un peu plus enfantin, je trouve, mais magnifique. Et voilà, on a que ces deux-là. Donc il sera, Tony sera en accès anticipé comme tous les personnages pendant 7 jours. Une fois, après il sortira. Donc après on pourra le trouver dans les bois. Sur ce les louches, je vais pas vous retarder plus. Hein. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager, ce que vous voulez. Sur ce, les prochaines vidéos seront bientôt disponibles sur Zuba. On va vous faire du gameplay, on va vous faire plein de choses, on va vous faire des lives. On va essayer de faire un peu de contenu Zuba parce qu'on sait que ça, vous aimez ça, que ça vous manque. Donc on va revenir en force sur du Zuba. Donc voilà, sur ce je vous fais une grosse bise et je vous dis ciao ciao les louches.